Allez. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment tu te sens? Quel est ton premier sentiment après la signature de ton nouveau contrat? C'est un immense plaisir de signer pour l'Olympique de Marseille. J'y croyais pas au tout début, mais plus les minutes avançaient, plus j'y croyais pas. Que représente l'Olympique de Marseille pour toi? L'Olympique de Marseille, c'est le plus grand club de France, avec la plus grosse ferveur, avec les plus grands supporters. Et ils ont accompli de grandes choses dans le football français et européen aussi. T'as un parcours qui est un peu atypique, parce que tu es parti jeune en Angleterre avant d'évoluer en Italie, en Écosse. C'est pas tout le monde qui a cette expérience-là à ton âge. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? J'ai pris de la bouteille. J'ai appris à parler plusieurs langages. C'est un peu compliqué l'adaptation au départ en Angleterre. Par la suite, tout s'est bien déroulé. J'ai appris plusieurs footballs différents, le football anglais, italien et écossais. Ça a été un très bon apprentissage pour ma part. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Tu dis que ça a été difficile au départ? En Angleterre, quand je suis arrivé, c'était la barrière de la langue, vu que je parlais pas anglais. Mais une fois que j'ai commencé à parler anglais, mon coach était français aussi, donc ça m'a beaucoup facilité. Tu dis que tu as découvert plusieurs footballs, mais paradoxalement, tu vas découvrir aujourd'hui la Ligue 1. Exactement. C'est la première fois que je joue en Ligue 1, c'est la première fois que je découvre entre guillemets le football français. C'est une nouvelle expérience pour moi. Qu'est-ce que tu en penses de ce championnat? C'est un très grand championnat avec de très grandes équipes. Ils ont fait des beaux parcours en Champions League ou en Europa League. Donc c'est un nouveau challenge pour moi. C'est vraiment un air sérieux. Tu es jeune, mais tu as déjà aussi beaucoup d'expérience à l'étranger, mais aussi en Coupe d'Europe. Tu as beaucoup de matchs européens. Est-ce que tu penses que c'est important quand on arrive dans un club comme l'OM d'avoir cette expérience-là? Pour ma part, je pense que oui, parce qu'on va enchaîner beaucoup de matchs. On a aussi la possibilité de jouer des matchs européens. Donc avoir un joueur comme moi qui a joué beaucoup de matchs en Europa League ou en Champions League, je pense que c'est toujours un atout. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux apporter à ce groupe? Moi, je vais apporter ma personnalité déjà, de les dynamiser, apporter beaucoup de positivité et j'espère qu'on fera de grandes choses ensemble. Est-ce que tu connais déjà certains éléments de cette équipe? Je connaissais Pape Gueye, mais il était beaucoup, beaucoup plus jeune quand moi j'étais au Havre. Il était vraiment beaucoup, beaucoup plus jeune. Je connaissais Max Lopez avant qu'il parte aussi et c'est tout. Pour finir, est-ce que tu as un message justement à adresser à ses supporters marseillais? Qu'ils me souhaitent tous la bienvenue et j'espère qu'on fera de très grandes choses ensemble. Merci beaucoup, Oli. De rien. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Alors les amis, pour abonner à notre chaîne, clique là. Et ne t'oublie pas d'activer les clochettes.